Je suis tombé contre un joueur pro FIFA en finale de draft. Et c'est pas passé comme prévu. Le match était très serré, les gars. J'ai commencé dès les premières minutes à presser et à attaquer très très vite. Je l'ai surpris avec un premier but avec Messi qui stop and turn. Voilà. Et après la finition, croisé, normal. Là, j'étais content parce que je savais que c'était un bon joueur en face. Ensuite, il attaquait très très bien. Il a repris le score, un partout après une action bien construite et la finition de Ruud Gullit. Ensuite, j'ai pu marquer après une petite virgule extérieure. Le gardien l'a lâché, c'était Van der Sar en face, c'était très compliqué. Oui, c'est un but un peu chanceux, mais c'est Van der Sar en face. Hein. Il faut un peu de chance pour marquer. Après, il a encore égalisé logiquement. Petit ball roll scoop turn, après un petit virgule extérieur avec Ronaldinho Totti. Je pouvais rien faire là. Surtout avec ce stade, les gars, c'est très compliqué à voir. Oui, je trouve des excuses, mais celle-là, elle est un peu valable, non? Dernière minute maintenant, devinez ce qui s'est passé. Dernière occasion pour l'adversaire, 90e. Il avance sur l'aile et contre toute attente, il marque d'un petit pan. On croit vraiment que mes défenseurs ont fait exprès de le laisser marquer. Vraiment le seum, mais en tout cas, c'était un bon match. C'était un bon joueur en face. Après, j'ai cherché son nom, Zidane 10 Kylian. Pour ceux qui le connaissent, c'était le champion de l'Espagne de la Liga de l'année 2022. Après, je l'ai DM sur Twitter, c'était bien lui. GG à lui, j'ai toujours le seum.